Bonjour, nous sommes aujourd'hui dans le Val-de-Saône, sur la commune d'Ilia. Nous allons retrouver Dimitri, le chef du restaurant Grenouille et Délices. On y va. Bonjour Dimitri. Bonjour. On va présenter ce restaurant, donc Grenouille et Délices. Affaire familiale, je crois. Depuis quelle année alors la famille a investi les lieux? Depuis 2011. C'est mes parents qui ont acheté le restaurant du coup en juillet 2011. Et après, nous, on s'est associé avec eux en 2015 pour reprendre la suite. Avant 2011, c'était quoi? C'était une auberge traditionnelle un peu? C'est ça, qui faisait des grenouilles aussi. Alors la grenouille, c'est effectivement inscrit dans le nom. Hein, c'est pas un hasard parce que c'est la grosse production quand même. Hein, voilà, on va dire qu'au niveau des spécialités, la grenouille est loin devant les autres. Oui. Oui, oui. Et en fait, c'est ce qu'on essaie de faire du coup avec Saveur de Lin, c'est de diversifier un peu notre carte. Alors, tu travailles des produits de la région, tous les produits quasiment maintenant? Une bonne partie, oui. Oui, oui, on a aussi bien le poulet de Brest qui vient du village. Alors, en ce qui concerne ta cuisine, comment on peut la définir? Je dirais que c'est une cuisine simple mais gourmande, où le produit est mis en valeur. Donc, tu as envie d'aller voir un petit peu ailleurs? Voilà, d'essayer de se dissocier un peu des grenouilles pour proposer quelque chose de plus local. Alors, c'est bien? Tout est fait maison. C'est ça. Jusqu'au dessert. Jusqu'au dessert. Glace et sorbet compris. Saveur de Lin, c'est important. C'est une marque hein, qui garantit que les produits que tu travailles sont des produits d'ici. Pour rentrer dans le cahier des charges, il faut un certain nombre de produits. Donc, aussi bien en produits alimentaires qu'au niveau des vins. C'est quelque chose qui est important et qui met en valeur le patrimoine régional de Lin. Parle-moi de la recette du jour, la recette qu'on va découvrir dans quelques instants en cuisine. La recette du jour, du coup, c'était une quenelle de carpe de Dombes. L'idée, c'était de mettre en valeur aussi bien un produit un peu lyonnais, qui est la quenelle, avec une béchamel, du coup, sauce citron et avec des herbes aromatiques. Eh bien, je vous propose maintenant de rejoindre Dimitri en cuisine. Il va nous préparer cette fameuse recette qui mélange la Dombe et la région lyonnaise, la quenelle. Pour cette recette de carpe de Dombes, nous allons mixer la carpe, ajouter progressivement les jaunes d'œufs. Au bout de 2 minutes, on arrive à une texture un peu comme ça, où on a quasiment toute la carpe mixée bien homogène avec les œufs. Récupérons l'appareil, nous allons le passer au tamis, bien enlever toutes les impuretés, les arêtes. On récupère la farce fine. Ça, maintenant, on va réserver. Pour commencer cette nouvelle étape, nous allons utiliser une casserole avec de l'eau dedans pour réaliser la panade. Nous allons rajouter les épices, donc la muscade, le poivre, de l'ail séché et pour finir, le sel fin. On va mélanger les ingrédients. Nous allons finir par la farine. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une pâte bien sèche. Là, notre panade qui est terminée, nous allons pouvoir la mettre dans le robot. Et enfin, nous ajoutons les œufs. Et pour finir, nous allons ajouter le beurre. Maintenant, nous allons rouler nos quenelles. Donc maintenant, on va rabattre un côté du film. Hop, venir rouler tout le film. Hop. Alors, nous les plongeons dans l'eau bouillante. On va laisser cuire 10 à 15 minutes. Pendant la cuisson, nous allons réaliser notre béchamel. Nous allons ajouter le beurre. Là, on va laisser fondre le beurre. Nous allons rajouter les échalotes. On ajoute les zestes de citron. On va mettre un peu de hache de montagne. Alors du coup, la hache des montagnes, c'est une herbe aromatique qui a une saveur un peu de céleri. Nous rajoutons la farine. Maintenant, le lait chaud. On va rajouter, pour finir, le jus de citron. Maintenant, on va remuer énergiquement. Pour rendre la sauce bien homogène, l'ébullition, on coupe le gaz. Alors maintenant que nos quenelles sont cuites, nous allons verser notre béchamel dans chaque plat et ensuite nous allons démouler nos quenelles et les placer dans la béchamel. Et maintenant, on enfourne au four à 170 degrés pour 15 à 20 minutes. Nos quenelles sont sorties du four, on va passer au dressage. On peut déguster du coup cette quenelle de carpe avec un vin rouge léger ou une bière locale, la brasserie La Poule.